Mesdames, messieurs, la révolution numéro 6349 en provenance de concurrence des égoïsmes et à destination de fraternité amoureuse arrivera avec un retard de 10 siècles environ. Remercions pour votre compréhension. Bienvenue, chemin de cheminots, derrière la gare de Matabio, dans un lieu obscur et passionnant. Distingue au fond la pensée électrique de la parole aérienne. Hein, de, comme mélanger l'huile et l'eau, ou la substance grasse, le cru et le cuit, si vous voulez, ou deux systèmes qui s'opposent radicalement et qui n'ont rien à faire ensemble. Il y a une sorte de dissociation fondamentale. Et c'est tout à fait singulier et providentiel, peut-être aussi, et probablement aussi téléologique, allons-y, eh bien, de penser que l'un et l'autre n'ont jamais été faits pour se parler. Au fond, que la voix d'un hermétique va se démultiplier, une sorte de démonologue dans lequel il parle et s'entretient avec lui-même. Et dans cette épaisseur entre lui et sa voix, Silence! Marche! Parce que si tout à l'heure on a été provisoirement déçu par Giscard et son comportement digne de ministre sur les cimetières, il faut bien reconnaître que Giscard passe Giscard. Giscard retourne Giscard. Là, on est tout seul. Là, on est tout seul parce qu'avant, on était dans quelque chose. Et là, on n'est dans plus rien. Là, maintenant, c'est pas comme avant quand on était dans quelque chose. Là, on se retrouve dans plus rien, dans nulle part, alors qu'avant, on était dans quelque chose, quelque part. Alors maintenant, on se retrouve à être quelqu'un, alors qu'avant, on n'était pas quelqu'un, parce qu'on n'avait pas besoin, parce qu'avant, tous, on était des poissons ou des grenouilles. Tout le monde était des poissons, parce qu'on était dans l'eau. Alors, c'est pour ça qu'on était des poissons tous dans l'eau. Et à l'époque, il y a longtemps, on n'avait pas besoin. Alors on ne parlait pas. Mais maintenant on n'est plus dans rien, on se retrouve quelqu'un et maintenant on n'est plus dans de l'eau, comme au début qu'on n'était pas des hommes.